Après une décennie de bons et loyaux services, Sir David Manning a décidé de quitter la famille royale britannique. Kate Middleton et Meghan Markle vont devoir faire sans leur mentor. La famille royale britannique va se sentir orpheline. À 69 ans, Sir David Manning a décidé de quitter son poste unique et prestigieux. C'est en 2009 qu'il avait été embauché pour aider les princes Harry et William avec leurs obligations royales. Depuis quelques années, il s'occupait principalement de Kate Middleton et de Meghan Markle. Kensington Palace a déclaré que les deux couples étaient extrêmement reconnaissants pour ses conseils et avaient rendu hommage à ses conseils avisés de leur mentor. S'il se retire aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a plus rien à leur apporter. Mais il restera tout de même conseiller informel de confiance pour les princes et les duchesses. Avant le mariage de William, Sir David Manning a préparé Kate Middleton à la vie royale, s'assurant qu'elle était mieux soutenue que ne l'avait été la princesse Diana. C'est aussi lui qui s'est occupé d'expliquer la constitution britannique à Meghan Markle. Très proche des couples, il les a également souvent accompagnés en visite officielle. Et ce n'est pas la première perte de taille pour la future maman. En décembre, son assistante Samantha Cohen a claqué la porte de Kensington Palace. Surnommée la Panthère, elle œuvrait dans l'ombre pour permettre à Meghan Markle de s'intégrer au mieux dans la famille royale britannique. Avant elle, son assistante Melissa Twaberty avait déjà décidé de démissionner. En cause, le comportement de Meghan Markle. Selon des informations du Daily Mail, elle n'aurait pas supporté la pression qui pesait sur ses épaules. On your